Ah, salut et bienvenue. C'est la première vidéo de l'année. Là, je suis en train de casser du ciment vu qu'il fait pas très beau dehors. Alors pourquoi je m'amuse à casser ce ciment qui a été si bien fait? Déjà, je trouve que le gris dépressif, c'est pas du tout de mon goût, même si c'est subjectif et de toute façon, il existe du ciment blanc, donc c'est pas un vrai problème. Le gros problème, c'est que le ciment est plus dur que la pierre, donc dès qu'il y a un mouvement, c'est pas le ciment qui se fond, c'est la pierre qui commence à casser. Donc là, elle s'est effritée vu qu'il y avait du ciment dessus. Ça, c'est pas bien du tout. Et ensuite, on a un très gros problème aussi, c'est que c'est relativement étanche, donc quand il y a de l'humidité, ça glisse le long et ça essaie de s'évacuer dehors, mais ça peut pas. Donc ça peut créer de graves problèmes d'humidité. C'est surtout valable si le mur, en bas du mur en fait, et s'il y a une dalle de béton de ciment en contact du mur qui n'est pas du tout drainée. C'est sans doute possible de faire une dalle de béton de ciment dans une maison en pierre, mais par contre il faut bien drainer en dessous, pas que ce soit solidarisé avec le bas du mur. Souvent la plupart des gens ils se vendent de savoir très bien faire des dalles de béton de ciment, mais au final tout ce que j'ai vu c'était n'importe quoi. Il est tout à fait possible de faire une dalle de béton de chaux, mais c'est beaucoup plus cher et beaucoup moins connu à mettre en œuvre. Et on ne peut pas l'armer avec de la ferraille parce que ça transporte plus facilement l'eau. Par contre, il existe d'autres procédés. Moi, ce que je préfère, c'est solive, plancher, pas le temps de niaiser. Éventuellement, vide sanitaire, s'il n'y a pas la place de creuser une cave. Donc l'objectif ici, ce sera de rejointoyer à la chaux. Ah pardon. Pas oublier de mettre ses EPI, un casque parce que sinon ça finit par sonner dans la tête, un masque à poussière, une petite casquette pour protéger les cheveux, des gants évidemment pour éviter de se couper avec le ciment, et un perforateur de qualité. Un perforateur de qualité suffisante. Adapté au projet. Mais vaut mieux quand même qu'il soit bien parce que franchement sinon c'est la galère. Ça marche pas, ça pèse lourd, ça vibre dans tous les sens, c'est usant, usant, usant. En plus ça tombe en panne très très rapidement. Alors que celui-ci ça fait des années et des années que je casse plein de ciment avec. Franchement ça sert à rien ce type de bâche, faut pas acheter ça. Et le mieux aussi, c'est de ne pas habiter sur son chantier, plutôt habiter par exemple en caravane ou n'importe quoi de Vanlifer. Même si c'est très critiquable, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que sinon, faut en permanence protéger les affaires, passer l'aspirateur tout le temps. Devait arriver, arriva. Il y a une pierre qui s'est déchaussée là, qu'il faudra bien sûr remplacer. On fera ça quand on fera la chaux.
Bien, c'est déjà pas mal avancé, on va pouvoir prendre le goûter. Donc la partie de droite est faite. La cheminée, le bas est fait, mais il faudra que je monte sur l'escabeau pour faire le haut. Et la partie droite n'est pas encore faite. Évidemment, il faudra repasser partout par derrière pour faire les finitions. À gauche, bien déposé. À droite aussi. Il reste en haut au milieu. Et voilà, une après-midi pour faire tout ça. Il y aura encore à revérifier tout pour faire les finitions, gratouiller entre les pierres. Là, ici, il y avait une petite niche secrète. Et comme d'habitude, voilà. Et voilà, une après-midi pour faire tout ça. C'est bien quand les travaux font aussi vite. Ici, il y avait une petite niche secrète. Mais il y avait uniquement un bout d'ardoise dedans. C'est pas vraiment un trésor, c'était juste pour tenir le ciment. Alors il y aura encore tout à revérifier pour enlever les derniers petits bouts. Ça je le ferai plutôt à la main, au burin et au marteau. Et ensuite, gratouiller à l'intérieur des joints pour que la chaux prenne correctement. Il faudra mouiller bien sûr. Allez, à la prochaine pour la suite des aventures. Thank you.